TGP Musique Live pour une petite entrevue en aparté à l'occasion du Strange Festival. Bah écoute, avec grand plaisir, je te remercie. Donc à Châtillon-sur-Loire, dans le 45, n'est-ce pas? Et où, bah pour ma part, en tout cas, c'est ma reprise des concerts et des festoches, je sais pas pour vous. Ben, nous aussi, figure-toi. Donc on va pouvoir fêter ça, on va pouvoir... D'ailleurs, on pensait pas que ce serait maintenu, mais bon, bah, contre toute attente. Voilà, une bonne nouvelle, enfin. Bah ouais, enfin, et puis bah, les mesures de sécurité sont quand même vraiment bien respectées, donc c'est plutôt chouette, tant mieux. Ouais, l'orga, effectivement... De... Ouais, bah ça prouve qu'on peut quand même organiser des concerts en mode safe, en ce moment. Donc, peut-être que Roselyne devrait y jeter un œil ou une oreille, peut-être, je sais pas. C'est ça. Bon, on espère pas découvrir dans quelques jours qu'il y a eu un cluster à Châtillon. Putain, on est un merde. Ah ouais, non bah, je pense pas. Ne parlons pas de malheur, On dit rien de tout ça. Donc voilà, restons positifs, bi-positifs. Yes. Oui, donc bah, merci de nous recevoir. Donc c'était un peu une interview, comment dire... Improvisé, voilà, bon. Fort sympathique, pour parler un peu d'actu, si actu il y a chez Chargotte. Actu il y a toujours en fait, c'est que je pense que tu suis notre travail depuis un petit moment, et je pense que tu as peut-être compris un truc, c'est qu'on n'est pas trop du genre à se reposer. C'est ça, c'est en constante ébullition. Oui. De toute façon, parce qu'on a que ça à faire, surtout en ce moment. On va pas se mentir. On travaille sur pas mal de projets en ce moment, que ce soit de la vidéo ou du son. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de développer, de toute manière. Donc, je pense que ça se verra. Il y aura quand même un peu plus d'éclaircissement sur 2021. D'accord. À ce sujet-là. Pour le moment, je peux t'en dire deux, trois choses, mais... Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais effectivement, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et intéressant, effectivement. Yes. Donc, là, vous aviez sorti votre dernière... The Advent of Shadow, ouais, qui était sorti en février 2019, pour le coup. Déjà. Ouais. Ouais, mais ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe très très vite. Mmh, ouais. Donc, il est temps de voir The Next. Bah, le Next, on est déjà en train d'y songer, ouais. Voire même pas que d'y songer, en fait, on a déjà commencé à travailler dessus. D'accord, ok. Le volume 3 est en marche. Ouais. On a déjà une bonne dizaine de morceaux qui sont composés, enfin, du moins à l'état de maquette. Mmh. On va essayer d'en faire un peu plus, je pense qu'on va essayer de viser une quinzaine de titres. Au moins, mais faut pas s'attendre à une sortie pour tout de suite. Je pense qu'on va plutôt viser début 2022. D'accord. Histoire d'avoir bien le temps de bosser ça correctement, parce que chez nous, enfin, déjà on n'est pas extrêmement rapide de base, on va pas se mentir. Et puis surtout, bah, on aime bien prendre notre temps, revenir en fait sur les compos, les retravailler au moment où on arrive sur le mix. C'est pas pour autant que c'est définitif. Ouais. On va effectivement faire un petit peu de réa, etc. Oh, salut. Voilà, bon, on a la bûche qui rentre, on a le batteur aussi. Voilà, vous pouvez nous rejoindre hein, si vous avez des choses à dire intéressantes, bien sûr. Oh, voilà, là, ça, par contre, oh là là. ça demande beaucoup, là, ça demande beaucoup. En tout cas, la bûche a un beau t-shirt, je valide, de Sidi Larsen. Un t-shirt Sidi Larsen, mais oui, voilà. C'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas l'image. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on peut prévoir facilement un album 14-15 titres pour 2022. Ah oui, quand même. Ouais, oui. C'est vrai que vous ne faites jamais les choses à moitié. Vous êtes lent. Vous pouvez être lent à la détente. On est lent, effectivement, mais je pense que ça se justifie à la fin, quand même. Hein. Ouais. On a un petit peu changé notre méthode de faire, pour une fois. Ouais. Enfin, en fait, c'est surtout moi. Mmh. Habituellement, j'avais l'habitude de... Enfin, je faisais tout à partir de ce que j'avais en ma tête et Clem m'aidait à retranscrire.
Là, étant donné que ça fait quand même plus de 5 ans que le groupe existe et que je commence à vraiment bien connaître chaque membre, j'ai en fait ouvert un petit peu plus le champ des possibles à chacun des musiciens. Donc en fait, Clem sur la compo, elle a pu apporter certaines choses à elle. Bruno également, et on a un petit nouveau venu dont je ne parle pas pour le moment qui lui aussi a pu travailler avec nous. Mm-hmm. Donc je pense que cet album va être encore un peu plus riche que les précédents. D'accord. Ça va partir dans tous les sens, comme d'habitude, dans un champ électro très très large. Ouais. Ça vous promettra quelques surprises, je pense, des trucs mais assez inattendus. Mais touche on change pas une équipe qui fait je ne sais pas trop quoi en fait, mais bon, on fait. On change pas une équipe, voilà. Qui gagne. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on le fait. Très sérieusement. Mais après, c'est de la compo musique, enfin, lyrics, ou c'est toi uniquement tout ce qui est texte Oui, pour les textes. Non, pour les textes, ça a toujours été moi. Et ça reste. Jusqu'à la fin. Et là, c'est malheureusement pour les autres. Est-ce que les autres ont envie? Non, je pense pas. Bon, de toute façon, il faudrait qu'ils aient vraiment mon univers intégralement dans la tête. Dans ta tête, ouais, c'est ça. Faut être dans ta tête. Je pense que c'est beaucoup de responsabilités pour eux. Beaucoup de mal de crâne, beaucoup de migraines. Je vais leur épargner ça. Non, c'est une mauvaise idée. D'accord. Ok. Donc, de ce côté-là, je continue à bosser en solo. Après, pour ce qui est de la compo. Je m'ouvre un petit peu plus au travail des autres pour ce troisième album. Voilà. D'accord. Donc tu évolues aussi dans ce sens-là. Au niveau de l'ouverture. Je sais pas si j'évolue ou si je suis plus flemmard, j'en sais rien, mais en fait j'ai envie de tester de nouvelles choses. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'ils ont dans leur tête, et puis ça colle pas, on essaye. On expérimente en fait comme d'habitude, ça reste toujours un laboratoire. Mmh. Mais sauf que pour ce coup-ci, je suis un petit peu moins en mode monarchie éclairée, voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'abord? De Clem, de ce qu'il vient de dire. Bon, alors, c'est des conneries ou... Ça fait longtemps que je l'écoute plus, tu sais. Non, je pense que c'est une bonne chose, oui, complètement. Ça te scie? Ça me scie très bien, oui. Je sais pas. Au contraire, hein. Non, de toute façon, elle n'a pas le choix. Hein, règle, le patron a toujours raison. Je ne suis pas le patron. Le patron, c'est un mec qui dit aux autres faites ça et qui reste dans son fauteuil et qui participe pas à l'effort collectif. C'est pas ce que tu fais. Mais je t'emmerde, morue du cul. Je t'emmerde. Il y a des révélations là, voilà. On a du scoop sur BGP ce soir, n'est-ce pas? Oui, avant que tu arrives, on va avoir de mots à dire. Je te préviens, on parlait du futur, Chargod, des projets, etc. D'ailleurs, t'es viré, tu sais pas. Ah ouais. Le line-up change. Ah ouais, génial. À partir de demain, parce qu'on a besoin de toi ce soir. Oui, voilà. On a besoin de ta kangou. Ah oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Forcément. Non, après je vais faire peut-être 2-3 riffs de basse, mais ça va être vite fait, quoi. Bon, tu sais, pour faire ce que je fais. Pour les dépanner. Pas la différence. On on parle des projets d'avenir et puis l'album en fait clairement partie, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Le confinement a quand même servi à poser vraiment les bases de l'univers parce que on était séparés, on était chacun de notre côté, on était profondément désœuvrés. Vous n'avez pas réussi à vous voir? Confinement, ça veut dire confinement, merde. Il faut pas le dire. Non, moi j'étais à l'autre bout de France, chacun était planqué, chacun de son côté. On se voyait en visio, quoi, mais jamais physiquement. Ouais. On échangeait des idées. De toute façon, le seul truc musical qu'on a pondu pendant ce truc-là, c'était la reprise d'Astronomia, juste pour déconner, c'est tout. La Coffin Dance. Je l'ai vu. Ah oui, ah, oui. C'est une grosse connerie qu'on a fait juste pour déconner, parce que vraiment... Cercueils, tu sais, l'histoire des porteurs de cercueils. D'accord. Ouais, voilà, c'est le seul truc vraiment qu'on a produit en musique. Mais pendant cette période-là, du coup, j'en ai profité pour poser l'univers parce que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones d'ombre pour notre public. Moi, j'ai tout dans la tête depuis très longtemps.
eux-mêmes, ils ne connaissent pas tout. Donc je me dis, bah, il serait peut-être temps quand même que je développe l'univers étendu de Chargoth. Donc du coup, bah, j'ai commencé à bosser avec Lian. Moi, j'écrivais les histoires et elle faisait les illustrations. Oui, donc les BD. Hein. Alors, BD pas une BD, c'est plus un espèce de bestiaire, de compendium en fait. Un truc qui va regrouper toutes les factions qui existent dans la cité ruche, qui va te parler en fait, des courants politiques déjà existants, des types de créatures, de personnes qui vivent dans la cité. Donc en fait, on t'explique l'intégralité de l'univers dans ce truc-là. Et il ça pas va. Tout seul dans sa tête. Oh non, ouais. je suis très nombreux, je suis très nombreux, faites attention. Je confirme. Et pour le coup, ça va sortir en papier. D'accord. On a prévu de le faire en papier. C'est quoi le format alors? Parce que je ne sais pas. Ça va être un bouquin. On va le faire en bouquin. Et il y aura de la musique d'ambiance pour accompagner la lecture de la chose. Voilà. Comment ça peut se faire ça? Bah, c'est simple, t'achètes le bouquin, il y a un QR code. Et tu télécharges directement la musique. En même temps que tu le lis. Exactement. D'accord. Innovant. Innovant, je sais pas. Si, moi. Je trouve. Bon, écoute, j'ai eu l'idée pendant le confinement. Là, je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être, j'en sais rien. Je pense que, à mon avis, ça doit sûrement déjà exister. On va voir si ça existait pas ailleurs. Peut-être. Mais en tout cas, bah, je voulais qu'il y ait un petit peu de son pour accompagner la lecture, pour plonger les gens un petit peu plus dans l'univers en fait, que j'ai créé. Et du coup, bah, ça vous permettra aussi également d'apprendre un peu plus sur chacun des personnages du groupe, vu que bah, là, tu nous parles comme ça tel quel, on est bah, Clémence, Étienne, etc. Mais sur scène, tu l'as bien compris, c'est pas les mêmes personnes, on incarne des personnages. Et du coup, bah, le bouquin vous livrera un petit peu l'histoire des personnages. Quoi. D'accord. Il va falloir que je me mette à la lecture. Hein. Ouais. Moi qui suis fainéant, ce n'est pas possible. Ouais, comme chance, il y aura peut-être un livre audio où il ira à ta place. Ah ouais, ouais. Quand même. S'il vous plaît. Et toi, Clem, alors, est-ce que ça t'a inspiré un peu ce confinement, là, cette période Oui. C'est trop moins. Moi, j'essayais de. Parce que chaque jeu, comme. Enfin, passer chaque jour et puis après on verra, de toute façon c'est flou pour respirer, oui, mais ça a chamboulé tous les projets, quoi. Tiens, j'ai suivi quelques-unes de tes leçons, tes tutos basses. Et ça t'a plu? Ouais, c'était cool. Bon, après, je me suis dit, ah, putain, ouais, j'ai déjà cette base-là, ça va, je maîtrise. J'ai regardé le début, là, le jeu avec les doigts, les machins, enfin vraiment la base de la base. Ah, ce qui est bien avec le confinement, en fait, c'est que chaque musicien a pu un petit peu. Ça me confortait, non? Montrer un peu aux autres ce qu'ils savaient faire, faire des. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Il y a eu un grand moment d'échange, en fait, pendant cette période de confinement qui était vraiment sympathique. On se retrouve avec soi-même, on retrouve effectivement d'autres moyens de. Puis j'ai retrouvé la joie de bosser en studio en chaussons toute la journée. Donc ça, c'était toujours en chaussons. Même à sur scène, t'es en chaussons. Quelle fausse excuse. On ne lira pas. Merde, on voit juste. Sur scène. Ah ouais, ils sont bien camouflés. Hein, en fait, c'était pas vu, mais c'est des rangs de chaussons. Ça, on appelle ça de la charentaise gothique. Et B. Et sinon, bah, le dernier truc qui est en train de se mettre en place. Ben, on bosse sur le prochain clip de Chargoth. Ouais. Alors pour le moment, je te dirai pas quel morceau c'est, mais je peux te dire que si les autres clips t'avaient paru ambitieux, ben là ça va être encore pire. C'est un level au-dessus. Ouais, encore. Et là, ça fait quelques mois que je m'arrache les cheveux, qu'on s'arrache les cheveux, parce qu'en fait là on est vraiment un bon paquet à bosser dessus. Ouais. On a arrêté de la faire un petit peu. Il avait déjà eu des moyens lors des derniers, là, où c'était quand même. Alors, oui et non. Enfin, le moyen, après. On a toujours réussi à tout faire nous-mêmes, en rusant. Et, avec les compétences de chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, pour ce coup-ci, ce n'est plus suffisant. On a vraiment besoin, en fait, d'aide extérieure. Vous nous avez fait une super prod à la Rammstein. Bravo. Peut-être pas encore. On a vu le making-of qu'ils avaient fait là, sur leur. Sur leur clip, un truc de fou. Hein. Ah, Dead Chant, oui, il est magnifique, on va pas se mentir. Wow. Il est très très beau. Mais je ne sais pas où on va aller avec ça, mais je peux t'assurer que ce sera déjà mieux que ZB et Break Your Body. D'accord. Et
que ce soit un, comment dire, il y a en fait un court métrage. Ça va faire à peu près entre 15 et 20 minutes. Ok. Il va y avoir beaucoup de boulot là-dessus. D'accord. Donc vous allez en apprendre plus. Donc encore mieux que Rammstein avec les 9 minutes de Deutschland. Hein. Ouais, mais 9 minutes générique compris, attention. Comme il y aura du monde, ça va prendre du temps. Ouais, ouais. Non, non, nous c'est pas générique compris. Et tu n'auras pas de générique, on s'en fout. D'accord. Vous allez en apprendre plus, à mon avis, d'ici la fin du mois, début septembre. D'accord. Il y aura plus d'infos à ce sujet, mais ça va être vraiment très très lourd. On va avoir besoin de beaucoup de bombes, beaucoup de figurations. On va y retrouver un peu tout ce qu'on a déjà vu dans les précédents, des Shadows, des Troopers. Ouais. On va y retrouver des Inquisiteurs aussi. On va avoir aussi pour la première fois les membres du Great Hide, qui sont la classe dirigeante de la Cité Ruche, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On est toujours resté dans les bas-fonds et dans les extérieurs de la Cité Ruche. Là, enfin, on va s'intéresser un peu plus au cœur... Au cœur de la chose, on va rentrer un peu plus dans le domaine politique, dans les intrigues un peu plus crasseuses. D'accord. De la cité. Eh bien, hâte de voir tout ça. Et ouais, on espère qu'on aura de la fraîche news rapidement. Ah ben, on y travaille. Oui. Beaucoup de choses sur le feu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en préparation. Je ne te lâche pas grand-chose pour le moment, pas spécialement pour faire du teasing, mais parce que je veux vraiment que tout soit prêt et abouti avant de pouvoir commencer à en parler concrètement. On a déjà des informations croustillantes. Ok, bon, c'est cool, merci beaucoup. Mais je crois que on vous laisse pour que vous vous mettiez, vous prépariez. On va pas. Il y a un truc ce soir. je vous fais le set sans make-up ce soir. Jamais de la vie. Chargotte en négatif. Oh non. Oh my Born god. To be crud. En tout cas, merci d'avoir nous accordé ce petit moment sympathique. Avec grand plaisir. C'est retrouvailles, n'est-ce pas? Comme toujours. Bon, on va pas se mentir, j'ai bien peur que ce soit le dernier show de 2020, mais. Non, c'est pas possible. Pas le ça. Premier et le dernier. On croise les doigts pour que ce soit pas le dernier de 2020. Allez. Est-ce que c'est quand vos prochaines dates? Sinon. La prochaine, c'est à Baden, en Bretagne, avec. C'est une soirée privée pour le FL Sculpt. C'est le 2 octobre. Ouais. 2 octobre. 2 ou 3 2 Ouais, c'est. Oui, le 2, oui, le 2, oui. Ouais, et sinon. Après, il y a le What the Fest à Montpellier. Où on va jouer derrière avec les camarades de Benighted, yes. Avec qui on aurait dû faire la warm-up. Oui. Il y a aussi, c'est en fin septembre, début octobre. Quoi? C'est de la date, ce truc-là. Non, c'est octobre. C'est octobre. Hein. C'est vers le 20, 23, quelque chose comme ça. Après, t'as le Trabendo. Oui, Trabendo à Paris, effectivement. Il y a le festival de Noël, il y a le. À Limoges. Ouais, à Limoges, tout à fait. Il y a un concert à La Rochelle aussi. Ah, c'est combien? Eh ouais, il y a un paquet de dates quand même. Il y a pas mal de choses. Il y a même des choses qu'on n'a pas le droit d'annoncer pour le moment plus. Mais en 2020 2020, 2021. Ouais, une surprise pour 2020 encore. D'accord. Mais pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que ça peut être aussi reporté. Donc on va voir. Ça, c'est dur. Donc, affaire à suivre. Ok. Voilà. Bien. Et bien en tout cas, merci pour tout. Et puis très vite, et puis hâte de ce soir minuit, il y aura du crime pour vous animer. Allez, merci. Ciao. Bye bye. Et bien merci. À la prochaine. Ciao.